De source espagnole, le club madrilène serait prêt à sacrifier Ronaldo pour attirer le Parisien. Et on reparle de Neymar au Real Madrid. Du moins, on reparle de l'intérêt supposé de la Casablanca pour la star du PSG. Nos confrères espagnols de l'émission El Larguero, sur les ondes de la Cadena Ser, évoquent même une obsession du président Pérez pour le Brésilien. Une chose est sûre, le patron des champions d'Europe ne cache pas son intérêt pour Neymar. Il n'avait pas hésité à le draguer ouvertement et en Mondovision lors de la cérémonie de remise du Ballon d'Or. Toujours est-il que, selon cette même source, la direction madrilène est prête à tout pour s'attacher les services de l'ex-Barcelonais l'été prochain. Et même à inclure Cristiano Ronaldo dans la transaction. L'idée serait d'entrer en négociation après la Coupe du Monde 2018 en Russie. Sans doute histoire de mettre le plus de pression possible sur le Paris Saint-Germain. Mais le club de la capitale a montré l'été dernier, avec le feuilleton Marco Verratti, qu'il n'est pas très sensible à ce genre de méthode. D'ailleurs, on imagine bien que Nasser Al-Khelaifi n'aura pas particulièrement envie de discuter de cette question avec Florentino Pérez, que ce soit fin juillet ou à quelque autre moment. Les deux hommes se croiseront en tout cas, le 14 février prochain, à Bernabeu, pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions qui opposera les deux clubs.